Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. En vrai, c'est con de quitter cette zone-là qui est réglée naturellement par la rivière pour en prendre une que j'irai moi-même. J'en suis pleinement conscient. Hein. Si jamais je vais étendre les champs, je pourrai toujours les étendre vers en bas. J'en suis également pleinement conscient, hein. Je peux rajouter des fermes ici et étendre ma zone d'agriculture. Mais je pense là c'est plus intéressant de faire ça comme ça. J'ai besoin de la place pour mon industrie, et l'industrie ça va être là au final. Donc ici j'aurai plus que les baies qui sont irriguées naturellement. Et ça, c'est tout. Et les arbres aussi que je vais garder pour l'instant, même s'ils ne servent pas à grand chose les arbres. Compte tenu de la prod que j'ai ici, les arbres ne me servent pas à grand chose là en bas. Ici, j'ai eu une petite explosion démographique, hein, 16 enfants pour 37 adultes, les pauvres, c'est une garderie le truc. Également ici, je dois commencer à avoir des livres un petit peu, non? Non, par contre, j'ai beaucoup de résine ah non. Ouais, je commence à avoir quelques livres, c'est cool. Bon, voyons voir le district là, comment ils s'en sortent. Ils ont toujours pas fait l'entrepôt, oh les pauvres. Il en manque, ouais, 21 planches. Mais en termes de nourriture et d'eau, ça tient, donc ça va. Et du coup, ils n'ont plus aucun sans-abri. Ils ont pile 15 places. Ouais, ils ont 3 lits offerts, ils ont 18 places en vérité. Ce sera amplement suffisant puisque le seul objectif c'est de raser cette zone là. Mais pour ça j'aimerais bien qu'ils me fassent le grand entrepôt. Et cette zone ici qui ne va strictement rien produire, jamais de sa vie. C'est dommage hein. Ici, la nourriture est stable pour le moment, mais tout le monde n'est pas encore occupé, etc. etc. Donc, le nombre d'enfants qui augmente chaque nuit, c'est un enfer. C'est pas des castors, c'est des lapins, les trucs. Oh là là, oui, de la place ici, s'il vous plaît. Ah, c'est con ça, que ce soit pas eux qui habitent, ceux qui habitent là, qui travaillent là, qui habitent là. Ça aussi, les développeurs, ça a corrigé. Banish y arrive, le jeu date de 2012, donc eux ils doivent y arriver aussi quoi. Enfin, faire en sorte que ce soit pas eux, ceux qui travaillent ultra loin qui habitent là quoi. C'est dommage ça, ça c'est mal foutu ça par contre. Ça c'est très mal foutu je trouve, mais bon c'est pas grave. Du coup on a plus beaucoup de carottes avec ça et ça moins cela. Bon, ici, on devrait avoir une chute drastique de du blé et du pain, ce qui devrait être... Enfin, du blé dans un premier temps, et ensuite du pain. Ce qui devrait être assez normal. On a énormément de farine aussi, il faut peut-être que je rajoute une ou deux boulangeries. On va rajouter une ou deux boulangeries. Mais en vrai, je vais attendre que ça stabilise avant. Parce que ça se trouve, avec ça, ce sera amplement suffisant. Là, ils sont en train de nettoyer la zone. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, j'aimerais bien savoir si ça consomme, si la terre, du coup, irriguée comme ça, consomme moins d'eau quand il n'y a pas de culture dessus. C'est une question que je me pose. Ici, ça tourne à plein régime. Enfin, au régime des éoliennes, quoi. Heureusement que j'en ai mis 3. Parce que c'est lent, hein. Même ici, là, ça produit à 2 à l'heure. Mais c'est pas grave en vrai. Ici, ça a progressé. Il manque plus que 5 planches. Donc ça va, ça progresse gentiment. On a que 2 rondins.
On est stack à 60 ferrailles tant que l'entrepôt n'est pas construit, ce qui est normal. L'eau, on a 40. Oh là là, c'est la galère. Forcément, puisqu'on a tout stocké là, donc ce truc-là, ça a que, ça a que 300 de stockage, donc il me faut vraiment les planches maintenant. J'ai envie de dire, il me les faut maintenant, les planches. Alors, peut-être des planches. Non, je sais pas ce que tu m'as amené, mais c'est pas ce que je veux. Ils ont peut-être amené un petit peu de nourriture. On a eu les planches, je crois. Oui, on a eu les planches, ça y est. Ils vont pouvoir s'activer et tout stocker là-dedans. Et donc vider ça, et ça c'est trop bien. L'eau va s'annoncer rapidement critique, je pense. Peut-être que je trouve quelqu'un, au moins une personne à l'exploitation d'eau. Même s'il va exploiter l'eau à la moitié du temps, quoi, à cause des sécheresses. Quoique dans 1,4 jours, c'est fini la sécheresse. Et on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Ici, avec toutes les pompes qu'il y a là, les stocks d'eau ici restent pleins, ce qui est normal. J'avais foutu un poste de transport ici pour être sûr que l'eau arrive là-bas, d'ailleurs. On peut dire qu'il y a du transit, hein. C'est plutôt pas mal. Du coup, je pense que mon stock de blé a dû descendre un petit peu. Le stock de pain descend lui aussi, forcément, parce qu'il n'y a plus les carottes et tout ça pour compenser. Le stock de blé, lui, est toujours énorme. Hein. Bah lui, forcément, il a pas de patates, donc il sait pas trop quoi branler. Mais ça va s'arranger. Oh, bah j'ai oublié de faire ça, tiens. Ok, bon, elle est faite à toi, Vantid. Je sais pas ce que c'est, le LFL, par contre. Je sais vraiment pas ce que c'est, le LFL. Tu vois pas les ressources à cause dernier follow, dernier sub? Ouais, est-ce que c'est vraiment important? Et où tu veux que je les mette, dernier follow, dernier sub? La Ligue française de LOL, d'accord. Bon courage du coup. Hein, tu veux que je les mette où? Ah non, ils sont bien là-haut, hein. Je suis désolé, mais ils sont bien là-haut. Hein. Au milieu, au-dessus de l'un de l'autre. Ah, je peux essayer de faire ça, ouais. Comme ça, tu veux, en fait? Ça donne quoi? C'est pas mal. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ah, le dernier sub, il est pas aligné, ça m'embête. Ouais, comme ça, c'est bien. Allez, va. Ça fera. Sécheresse terminée. Ouais, tout va bien. Quelle sécheresse? J'ai pas vu de sécheresse, hein, frérot?
Non, on a même pas perdu un niveau ici, là. On a même pas perdu un niveau ici. Oh, on est bien ici, là, maintenant. Du coup, on a 4 personnes sans emploi. On va en occuper 2 de plus. Voilà. Et ici, l'exploitation du métal va pouvoir commencer. Et on va exploiter ça vite fait, bien fait, moi, je vous le dis. Voilà. Il est où le métal? Ferraille. La ferraille. Non, je la vois pas. Hein. Vous l'avez vu 10 fois, vous. Hein. Et là. À l'infini. Est-ce que ça fonctionne, ça, du coup? Ah ouais, j'en ai exporté de la ferraille. On a même une place de libre. Et ici, ça va tourner tout seul, je pense, entre le pain qui arrive de la droite et de la capitale. Ça devrait le faire, vraiment. Vers la capitale, on est comment, là? On descend tellement en nourriture. Mais ça, ça n'a pas encore produit, c'est pour ça. Ah ben, ça y est, ça va commencer, là. Pause. Pourquoi c'est pas semé? Pourquoi c'est pas semé? Pourquoi y'a rien de semé? Ah si, c'est semé, ben alors. Ils ont pas semé, les types. Allez-y, les gars, on va faire les plantations d'abord. Hein. Je vais avoir une vague de récolte. Pas possible autrement. Il me semble que tout était semé et qu'ils ont dû récolter, à mon avis. Ah, ils ont récolté. Ils ont récolté, ils ont oublié de semer. Par contre, ça, je suis désolé, ça me trigger. Hein. Que ce soit pas ceux qui habitent là, qui travaillent là, ça me trigger grave. Il y en a 3 qui vont semer, 3 qui vont récolter, je pense. Voilà. Tiens, là qui récolte et les 4 autres qui sèment, c'est bien comme ça, je pense. C'est bien comme ça, c'est très très bien comme ça. Ici, le métal, il va partir tellement vite, la ferraille. Oula, c'est dangereux, ça, ici, de manquer d'ouvriers. Pourquoi on manque d'ouvriers, ici? On a 9 places de libre. Pourquoi on a 9 places de libre, ici? Parce qu'on a 14 enfants, on a des gens qui sont morts de vieillesse, c'est pour ça. Ouais, bah laissons-les tranquilles, ça va se repeupler tranquillement. On est bien comme ça, je trouve. Du coup, là-bas, ça se passe comment? On a 17 sans emploi. Donc on est bien. Les entrepôts qui sont pleins, j'en peux plus par contre. Hein.
Les entrepôts pleins, j'en peux plus, hein. L'atelier de menuiserie, ça demande de l'énergie. Ça ressemble à ça. Ok. Une place là-haut. On va refaire une zone, je pense, d'industrie ici, là. Avec des éoliennes et tout ce qui va bien avec. Alors 4, 800, 1200, donc je compte 600. On va en faire 3. Attends, je peux pas faire comme ça. La première là. On rentre comme ça. Voilà. Très bien comme ça. On a le constructeur juste à côté en plus de ça. Donc là, ça va produire grave. Et on va produire les planches massives là. Et c'est ce qu'il nous faut pour... C'est ce qu'il nous faut clairement pour les trucs là. Voilà, je veux d'abord qu'ils produisent ça, l'énergie, avant de faire les ateliers de menuiserie. On a tellement de farine. On baisse tellement en termes de pain. Oula, oula, ça déborde, ça déborde, ça déborde, patron, patron, ça déborde! C'est bon, ça s'est calmé. Allez, il y a du courant là. Tu m'étonnes, c'est en train de tout en train de reprendre vie là-bas aussi. C'est beau. Le jeu est beau. Du coup, on va également refaire tout le stock de moulins à blé, etc., etc. Là, j'en peux plus de tout ça, moi. Je pense qu'on va recentrer toute la production à un seul endroit et ça sera ici. Un moulin à blé, ça demande 260. Ça, ça produit 400 au maximum. Donc, on va dire 200, d'accord. Ça veut dire qu'une éolienne peut alimenter 4 moulins à blé. Donc, autant vous dire qu'il va y avoir du moulin à blé ici. Hein. Pause. Onze moulins à blé, ça devrait suffire, non? 11, ça veut dire 3 éoliennes. Trois éoliennes, les gars. Nom de Zeus! Nom de Zeus, Mika, trois éoliennes.